Dieu les ouverteurs! Yo, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon! Ça faisait longtemps! Ouais, c'est clair, ça faisait trop longtemps, ça me fait plaisir. Bah oui. Je suis content d'ouvrir du Pokémon. Alors pourquoi on ouvre du Pokémon? Parce que tout simplement, il y a une nouvelle extension dont on n'était pas du tout au courant, qui est sortie le 2 février, comme l'album de Vald, comme l'anniversaire de Saran. Surtout que l'extension a l'air trop belle. Ouais. Ne serait-ce que vous allez le voir dans les différents boosters. Vous connaissez sûrement l'extension, hein, mais il y a un Pokémon que j'aime beaucoup. Oui. Qui est Philali. Et je l'ai vu, j'ai fait waouh, et apparemment il y a des ultras avec Philali et tout. Donc je suis caca. C'est dans le titre, mais on dit quand même que l'extension s'appelle Ultra Prisme. Voilà. Et pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que tout simplement, il y a des nouvelles cartes, du coup, qui sont oui, intéressantes. C'est ça que à tu jouer. M'as dit. Ouais. Des cartes Prisme Étoile, qu'elles s'appellent. Je sais pas du tout ce qu'elles font en fait dans le jeu. Je me suis pas encore renseigné. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué au JCC, oui, c'est peut-être déjà, un ouais. ou deux mois. Donc je ne les ai pas vues arriver ces cartes, je ne sais pas trop, mais bon, elles ont une nouvelle fonctionnalité. Je crois que tu m'as dit qu'elle avait que 6 en plus dans toute ouais. l'extension alors qu'il y a 150 cartes. Alors est-ce que c'est des rares, des pas rares, je ne sais pas. Je veux dire, est-ce que ça va être des cartes dresseurs classiques qu'on trouvera? Est-ce que ça va être facile à trouver? Je ne sais pas. Et nous en plus on va ouvrir que 8 boosters, donc on n'aura sûrement pas les 6. C'est des boosters qu'on a trouvé à Jiffy, parce qu'on cherche des boosters sous blister, oui. et en fait bah, c'est Jiffy qu'on avait, donc c'est pas mal. Le seul souci c'est qu'on a déjà galéré à trouver les 4 différents ouais, pour pouvoir vous les présenter en fait. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ouais, donc grave. Bah, on a réussi à en avoir 4 quand même du coup pour vous les présenter, et après on a surtout chopé des Philali et des Necrozma. Parce que oui, il y a Necrozma du coup qui est sous sa forme crinière du couchant, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est comme le légendaire de Soleil. Ouais, comme Solgaleo en fait. C'est une espèce de copie, c'est assez marrant. Et il y a Aile de l'Aurore aussi, donc c'est pareil, c'est le légendaire de Lune, Lunala, tout simplement. Voilà. Donc c'est en fait c'est dans le Ultra Soleil et Ultra Lune qu'on voilà. voit ça. D'où le nom Ultra Prisme en fait. Voilà, tout s'explique. C'est un truc incroyable, et c'est trop bien. Je suis content. Ensuite on a Giratina et du coup le petit préféré forcément, le petit Philali, parce que Philali bah il est trop mignon. Soi-disant que ce serait le booster le plus chanceux. C'est les trucs que je vois sur le net. Moi je me suis pas spoilé du tout l'extension, mais vraiment pas. En tout cas j'ai vu beaucoup de retours comme quoi le Philali était hyper chanceux, ce qui serait logique puisque c'était le Pokémon un peu préféré de tout le monde. Voilà. Du coup on va tirer au sort pour savoir qui commence. On ouvrira tous les boosters hors caméra et puis on se séparera tout ça et on vous raconte tout ça. Tu choisis quoi, pile ou face, avec un magnifique jeton Manaphy? Je choisis face. Pile. Salut à tous les amis, c'est Lady Pokémon. Et c'est bon, nous avons séparé tout ça, c'est parfait. Donc au niveau de la séparation, c'est assez marrant parce que du coup sur les 4 différents qu'on avait, j'ai décidé de prendre le Lunala, qui n'est pas Lunala, hein, et elle le Solgaleo, parce que j'ai fait Lune et qu'elle a fait Soleil. Ensuite tu as pris le Giratina pour me laisser le Philali, ce qui est plutôt cool. Faut savoir que du coup autrement on avait que des boosters Philali et Necrozma Lunala, on va l'appeler comme ça. Et du coup ça fait que moi je me retrouve avec 2 Philali et 2 Necrozma, ouais. C'est assez drôle. Moi c'est plus varié. Toi c'est plus varié, t'en as 4 différents en fait. Oui. Bah en fait, toi, t'as les 4 différents. Les 4. Oh oui, en fait, c'est complètement con ce qu'on a fait. Bon, c'est pas grave, c'est comme jeu. Ça. Ça me va très bien. Je vais commencer avec un petit Necrozma Lunala, comme on l'appelle. Hein. Je sais que ça va être pas comme ça, mais m'énervez pas. Necrozma. Aile de l'Aurore. Aile de l'Aurore, merci. Franchement, c'est une très belle illustration. Je sais pas quelle est ma préférée, mais je dirais plutôt que ce serait la Lunala Solgaleo. Et bah, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2 classique. On va alterner entre du Necrozma et du Philali, du coup. Hein. Et on commence avec Quisticram. Wow. C'est trop cool. C'est des nouvelles illustrations, du coup. Exactement, c'est que de nouvelles illustrations. On les connaît pas en plus, donc on passe un tout petit peu de temps dessus. Elle est très jolie en plus, bah c'est un starter de feu, c'est cool, ça fait plaisir. Derrière, Quatermac, pas trop fan. Laporeille, oh les bébés, trop mignons. Pour l'instant, des illustrations qui ressortent pas trop, à part le Whisticram qui est pas mal. Oh, Voltorb, t'es sympa. Je trouve qu'il rend bien, il rend bien la caméra en plus, donc oui, il est sympa. Parfurey, qu'on voit beaucoup en ce moment, beaucoup. Avec sa petite attaque fracas sournois. Energio, le registre ami. Ah, quand t'as pas d'amis. C'est ça, c'est un Facebook, mais en papier quoi. Mélanger 2 cartes supporters de votre pile de défauts avec votre deck. D'accord, c'est encore des cartes qu'on connaît, mais qui sous un autre nom. Yanmega, qui existe en shiny hein, dans les anciennes extensions, qui est très très beau, Yanmega. Oh, il est beau. Belladonis, très sympa. On dirait vraiment... On dirait Columbo. Un petit peu, ouais. Luxio en reverse. Ok, donc reverse classique. Donc pour l'instant, je crois pas qu'on ait de cartes prisme machin. Non. À moins que ce soit à la place de la rare. Je sais pas, je sais pas encore, attention. Oh. C'est la 101 sur 156. Oh la vache. Oh, pas le KGX. J'ai le légendaire. J'ai pas le KGX. Elle est ultra belle. Oh, elle est belle. Tellement belle. Oh, elle est super belle. J'aime beaucoup. Elle est très... En fait, elle est sobre, en fait. Elle est en 3D en même temps. Enfin, il est en 3D, mais d'accord. Elle est sobre. Ouais. Elle est pas trop... On n'a pas partout, comme ils aiment en faire. Donc, ce n'est pas une full art, c'est juste une GX. Exactement, c'est ça. Du coup, on enchaîne avec un petit Philali. Hein. Voici le booster. Il est très joli. Très joli aussi.
Mais c'est pas le plus beau, je trouve, parce que la position de Filali est pas ouf, tu vois. C'est ça. Vu le fond, on a l'impression qu'il lévite un peu, il y a un truc qui va pas. On commence avec un petit sablette d'Alola, il est trop mignon. J'adore les sablettes d'Alola, ils sont trop choux. Grave, on dirait des petits igloos, ils sont trop choux. Mm. Hippopotas, Riolu, par contre, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'illustration. Très sympa. Ouais. En mode vraiment sans 3D, rien, toute plate, j'aime bien. Oh, Topicor d'Alola, justement, avec son petit truc sur la tête. Pouet, pouet, pouet. Et l'illustration ne change absolument pas en fonction des extensions, j'ai l'impression. Hein. Il est tout le temps pareil. Ouais, c'est vrai, il est tout le temps à peu près pareil sous le même angle. Et par contre, tu vois, la carte avec l'espé là, j'ai l'impression que c'est une fausse. Oh, Tiplouf! Oh, il est trop chou! Ah, grave! En plus, en mode centré, c'est trop marrant. Ouais, il est chou là. Ouais, il est trop chou. C'est l'une des plus choues des cartes. L'énergie obscurité, le skateboard évasion. Ah, le skateboard de Marty McFly. Boscara. Et l'illustration, elle me gêne. Les reflets et tout, je pense, on dirait qu'il est brillant le Pokémon, il y a un truc qui va pas. C'est ce que j'étais en train de me dire. Et puis surtout, les nuages, enfin, le ciel qui est tout plat à côté. Je sais pas, je. Entre le réalisme de l'eau et les nuages qui sont du dessin, ça c'est fait ça. Il y a un truc qui va pas. À part alors la maléfique Palkia GX qu'on a eu, je trouve que les illustrations sont pas ouf encore à cette extension. Je sais pas. Cynthia, ok, bon, sans plus, pareil, sans plus. Cerebou en reverse. Voilà. Alors c'est une illustration du coup. En laine. J'aime bien. J'aime bien les illustrations laine. Par contre, j'aime bien qu'ils en aient fait une ou deux. Comme ça, c'est qui fait les illustrations laine? C'est Asako Ito. Petite laine au calme. Il doit faire du point de croix, ça fait plaisir. Oui. Et attention, est-ce qu'on a quelque chose? Ce serait bien pour le deuxième, hein, on serait content. Tant qu'à faire. Hein, la 19 sur 156, peut-être une petite holo, ce serait cool. Allez, s'il vous plaît. Oh, Magagnon, est-ce que c'est une holo? Oui! Ah si, c'est une holo! Cool. Et dis donc! Bien! Eh! Hey, c'est quel booster? Filali, donc chanceux, ouais, pourquoi pas. On peut le dire. Très belle illustration, j'aime beaucoup. L'évolution de Magmar. Exactement. Et non, elle est vraiment, vraiment classe. La position est belle, la petite traînée de feu ronde là autour, comme ça, c'est très classe. Puis en mouvement, c'est sympa. Ouais, ça change des autres, justement, qui sont très sur place en fait. Plus figé, ouais, même la GX, c'est un peu figé. Tu vas avoir du mal à me battre. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, mais bon. On va repasser un petit Necrozma. On commence par un petit Tritox qui est très, très, très joli. On a du mal à le distinguer encore une fois, mais il est mignon. Tiplouf. Oh, mais on l'a déjà eu, Tiplouf. Alors, il y a deux Tiplouf différents. Ok, c'est souvent dans les extensions qu'ils font ça, mais des fois, je comprends pas pourquoi. Celle-là est moins belle, clairement, que l'autre. Oui, carrément. Oh, Spododo, qui est très mignon, par contre. Magmar, du coup, on a eu son évolution, Magagnon. Avec sa bouche, là, on dirait qu'il fait. Ouais, bouche de canard, quoi. Ouais, et puis, j'aime bien, en fait, que ce soit penché, je sais pas, je trouve ça cool. Evoli! Même pas dans un booster Filali, c'est marrant. C'est une des plus belles Evoli que je connaisse. Hein. Elle est très 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 classe. Hein. Ouais. Alors c'est normal qu'ils aient mis Evoli parce que du coup, comme ils ont mis Filali. Forcément. Et t'as vu ses yeux? Il a des yeux brillants, il te regarde, il fait Kalino. Énergie obscurité, encore. Tanguy, mec qui est chez ses parents très longtemps hein, d'ailleurs. C'est ça. Hein. Voilà, il est chez ses parents. Il a 30 ans, et toujours pas parti. Archéodong, ok, encore une carte fake. Putain, mais j'ai l'impression que les aciers sont des cartes fake. Je sais pas. Boumata, j'aime bien ce Pokémon en plus et je trouve ça plutôt cool. Boumata. Oh, Motisma froid en reverse. C'est une rare reverse. Je pense que c'est une holo, parce que Motisfa est plutôt rare, c'était même des secrètes dans une des extensions. Ah oui, ouais. Donc elle est très très classe. Je pense que c'est une holo reverse. Ouais, je suis pas sûr, mais je vais la mettre dans les petites cartes à vous montrer à la fin, parce qu'elle est cool. Elle est cool. Et je crois que j'ai quelque chose en dessous, et je crois aussi, que je suis ultra chanceux du coup. La 101 sur 156, ça c'est la même. C'est la même. Mais t'es sérieux? Comment on a fait pour choisir des boosters où il y avait deux fois la même GX? C'est jamais arrivé. Je suis super deg. Oh, putain. À l'échange, les gars, mais je suis deg. On repasse à un Filali, j'espère que... Bon. Je suis deg, là, je te vous, je suis deg. Mais pourquoi? Ah, ça me redonne le sourire. On est sur un Goopix d'Alola. Il est tellement trop chou. Ah, mais il y en a plusieurs. Il y en a trois. Mais t'as vu comme elle est trop belle, l'illustration. Elle est vraiment belle. Là, c'est une illustration, pour le coup, qui vaut le coup. Mais grave, mais c'est une de mes... C'est pour l'instant mon illustration préférée de la série, quoi. Elle est tellement classe. Regarde la position qu'ils ont. Ils se pètent la gueule, à moitié. L'autre, il saute et tout, c'est trop chou. Evoli, une autre. Oh, il y en a trois. Ils sont trop choux. Ouais. J'aime moins. Je préfère l'autre pour le coup, tu vois. Mais elle est quand même trop mignonne. Mais oui, dans la forêt, tu les imagines là dans l'eau en train de jouer. Il ferme son œil parce qu'il se met de l'eau dans l'œil. Il est tout cornèbre. Oh, elle est belle. Ah, ce booster, il est beau. En vol, c'est cool. Ouais. C'est clair qu'un arbre souvent est plus figé. Ouais, c'est vrai que là, il est classe. Yanma, aussi en vol. Pachiritsu, il est trop choux. Elle est belle illustration aussi. Putain, mais ce booster est trop beau. Il ressort bien du décor, j'aime bien. Il est trop beau. Energio. Ouais. Corboss, du coup, l'évolution de Cornèbre. Elle est belle en plus avec la team G derrière, team Galaxy et tout. Le skateboard, encore une fois. Luxio. Oh, mais c'est pareil, l'illustration ressemble vachement à une autre illustration de Luxio. Ça, c'est des copies, j'aime pas. Là. Pas trop d'inspiration. Ils n'ont pas d'inspiration, c'est vraiment n'importe quoi. Énergie unitaire en reverse, elle est très très belle. Trop belle. Ouais. Putain, elle est classe parce qu'en fait, comment ils ont branlé ça en fait? Il n'y a que de la reverse ici? C'est étonnant, hein? Mais c'est bien de reverse. Ah, c'est sympa. C'est reverse, je sais pas, je suis étonné. Et du coup, est-ce que je vais avoir quelque chose? Ce serait bien. Un petit quatrième, hein? La 99 sur 156. Une rare, forcément. Karchakrok. Est-ce que c'est une holo? Non! Oh, Karchakrok. Oh! Oh, putain, l'illustration, par contre, on voit rien. Alors que Karchakrok est un très beau Pokémon, c'est dommage. Je suis pas mécontent de mon ouverture, dans le sens où j'ai eu quand même 2 GX, une holo, et sûrement la Motisma froid est une holo reverse, je suppose. Il y a de grandes chances. Je suis content, 2 GX, c'est cool, mais deux fois la même, quoi.
Bon, j'espère que tu vas me battre. J'ai découvert des belles cartes, surtout sur le dernier booster, et je trouve que oui. Ouais, j'avais un peu peur au début, je t'avoue, je me suis dit les cartes sont pas mal classiques quoi, mais là ne serait-ce que pour la Goopix d'Alola qui est vraiment trop belle. Je la trouve même étonnante, tu vois. Je trouve que waouh, tu t'imagines en grande celle-là, elle doit être trop belle. Oui. Oh, mais t'es folle. Allez. Je t'ai laissé mes petites cartes pour que tu puisses faire un récap à la fin. Si vous voulez un récap, je sais pas si ça vous sert à quelque chose de récap, les gens. Vous nous direz d'ailleurs dans les commentaires, on en fait un sur cette vidéo. Mais si les récaps ça vous sert à rien à la fin, vous nous dites ne faites plus de récap si vous n'aimez pas ça. Après, si vous voulez, ça se trouve, vous regardez pas les ouvertures et vous allez à la fin voir les récaps, ça se trouve. Donc ça vous sert à quelque chose, je ne sais pas. Alors qu'est-ce que tu as envie de nous faire en premier? Je vais faire celui que j'aime le moins. Donc... Giratina? Ah ouais? Giratina, c'est celui que t'aimes le moins, dis donc. Ouais, à chaque fois je le dis, je l'aime pas. Il ressemble à un insecte. Voici le beau, le grand Giratina qu'on a du mal à distinguer parce qu'il est rouge. Noir. Lixi, qui est très très jolie. Moi j'aime beaucoup l'illustration pour le coup. Moi je l'aime pas du tout pour le coup. Ah bon? Bah, j'aime bien le fait qu'il y ait des éclairs derrière et tout. Quatermark qu'on a déjà eu. Oui. Hippopotas qu'on a déjà eu. Oui. La Poreille qu'on a déjà eu. Oh, bah dis donc, t'as que des doubles. Ouais, c'est Ribou, allez. L'énergie fée qu'on a pas eu. Oh. Pin. J'adore, c'est le lapin d'Alice au pays des merveilles. Elle est en train de prendre le thé là. C'est presque ça. C'est génial. C'est cool. Ça fait très Pokécute aussi, un petit peu. Tu ouais, vois. Et puis c'est un lapin un peu en chocolat et tout. Ça fait Pâques. Ok, bah c'est bien. T'as une analyse des cartes assez détaillée, c'est important. Hein. Mmh. C'est bien ce que tu fais. Hein. J'aime bien. Ça fait un peu fête d'anniversaire. Oui, alors c'est dommage que tu vois que ce soit un type normal et pas un type fée pour le coup, tu vois. Oui, c'est vrai. Une carte rose, ça aurait été classe. Ouais. Dinoclier. Je ne connais pas du tout ce Pokémon. C'est un Pokémon qui se sert de sa tête pour charger et pour se défendre. En gros, il a une tête de bouclier. Ouais. Oh. Argouste. Oh. Big up à Martial. Elle est super belle l'illustration, t'en penses j'aime quoi? J'aime bien, ouais, parce qu'il se tient. Enfin, c'est un peu de travers aussi, comme les autres. Et bah, je sais pas ce qu'ils ont avec le délire de mettre les Pokémon de travers. Je sais pas, mais ça fait des belles perspectives en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est... Ça fait un côté grand angle. Ouais. Puis même le dessin, tu vois, fait un peu BD, je sais pas. Il y a un délire qui est sympa, je trouve. Ouais, j'aime bien. Tortipousse. Oh, il est trop petit chou. Il est trop chaud avec son petit. Il vole. La 103 sur 156. Mmh. Oh, coup de langue. Tellement classe, j'adore. Elle est trop belle. C'est génial. Moi, c'est une simple, hein. C'est pas une holo. Mais... Non, mais elle est trop belle. Elle est super cool. Il aurait fait en holo, j'aurais trouvé ça trop marrant, tu vois. Toute simple, tout en mode holo, genre, parce que c'est un vieux Pokémon ça. Bah ouais, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu. C'est clair. Il est génial. Ah, c'est puis cool. Là, alors là, il tire la langue, putain. Ouais, et il est puissant comme Pokémon, hein, putain. Oui, bah oui, mais il fait mal. Hein. Coup de langue, ouais. Bon, c'est pas un truc intéressant, rare, mais voilà. C'est cool. Oui, c'est ça. Je vais passer à ton Necrozma Lunala. Tu veux dire Necrozma Eldolore. Le nom incroyable en français, mais vraiment nul à chier. Ouais. Et on commence avec Manglouton. C'est marrant parce que du coup, c'est la sous-évolution de Argouste qu'on a vu. Magmar qu'on a déjà eu. Elle est belle. Topiqueur d'Alola. La fake. Farfuré, qu'on a déjà eu. Magnétique. Première G, les gars. Cool. Au top. Cool. Ça fait longtemps. Ah, bah en plus, une illustration de Magnétique qui ne ressemble pas forcément aux autres. Alors, Magnétique, c'est un Pokémon pareil, tu l'as dit comme Topiqueur tout à l'heure, qui est un peu tout le temps pareil. C'est ça, ouais. Mais là, du coup, il est content. Oui, il fait nien avec son œil. J'adore. L'énergie fait. Oh. Magnéton, bah c'est génial. Alors, est-ce qu'ils sont contents? Non, pas trop. Alors, ils sont plus dubitatifs, ils ont l'œil classique. Ouais, c'est ça. Bah, elle est moins marquante, l'illustration. Lily. Le fameux personnage de Soleil et Lune. Bah, le personnage du début en fait, hein, c'est ça. Ça, ouais. Et donc là, elle est un peu évoluée, du coup, elle est plus dans la même tenue. Ouais. Et elle est chou. Devant un arc-en-ciel. Ouais, son arc-en-ciel parce qu'elle est gay. Manaphy. Ah, bah le jeton qui est tirage aussi. Et avec un Stargate derrière. Oh, SG1 arrive voir Manaphy. Ouais. Allez! J'aime bien parce que du coup, il y a toute une histoire dans l'illustration, oui, c'est trop cool. Je suis d'accord, t'as raison. On dirait que c'est une scène en fait. Ouais, c'est ça. Une petite scénette sympa. Cornèbre qu'on a déjà eu. Que t'aimais bien, je crois. Oui, mais qui est en reverse là, je ne le voyais pas. Oh, oui, oui. Une c'est vrai que les ténèbres en rire sont très beaux. Oh, salaud! Oh là là! Elle est où la numérotation? Elle est là. 155 sur 156! Attends, on a eu une dresseur foulard dans la dernière ouverture. Oui, et c'est moi qui l'ai eu. C'est. Oh! Il a un Pikachu sur son t-shirt et leur bébé, ils lui ont mis un costume de Pichu. Elle est trop belle en vrai, elle est belle. Oh la vache, on a pas de pochette, faut que j'en achète. Elle est vraiment trop belle, j'adore. Ah mais t'as trop de la chance, c'est trop bien. Ouais. Tomber dessus au début d'Ultra Prisme, ça fait plaisir. Pour l'instant du coup tu as une full art, ça bat on va dire mes 2 GX. Donc je suis toujours à une holo de plus que toi, potentiellement du coup une holo reverse aussi. Oui en plus. Ouais. Donc pour équilibrer. Pour l'instant je gagne encore, même si tu as eu la carte du cœur. Je vais continuer avec du coup mon légendaire à moi. Fossolgaleo, Necrozma, mais oui. On commence par une carte tellement chou. Elle est tellement belle. Et puis t'as vu le petit Dedenne? Ouais, qui est trop mignon. Mais attends, mais Dedenne il est aussi petit que ça par rapport à Chaglam, normalement.
C'est bizarre. Bah, c'est une petite souris, quoi. Blizzy qui se fait Blizzy. Manity, une autre illustration. Elle est cool, celle-là aussi. Elle fait années 80, un peu. Très sympa, je suis d'accord. Cornèvre, encore. Vortante, encore. L'énergie combat qu'on n'a pas eu. Le skateboard. Putain, on va pouvoir en faire, hein, du skater. C'est clair. Oh. Luxio, encore une fois. Encore énergie unitaire. Oh, oh type 0. Elle est trop classe. Oh. Vraiment très classe. C'est une rare. Potentiellement une holo, encore une fois. Une holo reverse, du coup. On va la compter peut-être comme l'amotissement de holo reverse, voilà. Mais on n'est pas sûr. Ouais, on n'est pas sûr. Reverse. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Et j'aime bien le nom de Pokémon. J'avoue qu'il est joli, type 0. Et donc à la fin, nous avons. Une type fée. Lampignon qui est mignon. Éclairé là dans la nuit. C'est un peu comme le Lumineux dans le noir. Oui, mais sauf que c'est le Lampignon dans le noir. Il est un peu genre en mode Walt Disney, tu vois. En mode je vais chanter une chanson. Je suis un champignon. Tout le monde me dit gnon gnon. Du coup, je vais finir sur mon petit Filali. D'ailleurs, tu nous avais pas montré le booster d'avant, mais c'est pas grave. Montre-nous Solgaleo à quoi il ressemble. Solgaleo, du coup, il était très très beau. Bah, je vous le dis, en plus, voilà. C'est mon illustration préférée, donc ouais, c'est sympa de montrer quand même. C'est important de le montrer, effectivement. Non, il est beau. Allez, Filali. J'ai eu quoi moi dans le Filali? J'ai une GX. Ouais. Ah oui, tu es dans quel booster t'as foulard toi? Je vous donne la fake. Qui serait aussi très chanceux du coup. Bah, après, bon, on va pas faire des stats avec deux boosters nous, mais bon. Les gens qui font beaucoup d'ouvertures avaient dit ça. On fait des cuts entre les moments où on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2 parce que c'est chiant sinon et tout. On aime bien faire ça, tu vois. Et l'autre, elle fait J'ai senti. C'est vraiment une salope. Moi, je veux partager. Si j'ai senti, c'est que. J'ai senti. Putain, mais vas-y, mais arrête, tu niques tout. Bah, pourquoi tu partages? Bah, je partage parce que moi, j'en ai marre, elle va tout niquer. Elle m'a niqué tout mon suspense. J'ai senti. On commence par Evoli. Elle a senti. Magmar, qu'on connaît. Spododo, qu'on connaît. Tiplouf, qu'on connaît. Tritox, qu'on connaît. Énergie Combat, qu'on connaît. Rome électrique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le CD-ROM. C'est vrai, ça faisait longtemps et on s'en fout toujours autant. C'est marrant, c'est ça, hein, comme on s'en bat les couilles de ce CD-ROM. Ça me fait rire. Tu devrais le passer, qu'est-ce que t'en penses? Oh, fossile inconnu. C'est marrant parce qu'on s'en fout pas mal de cette carte. Tu devrais peut-être la passer. Oh, Motisma. Alors, Motisma, forme normale pour beaucoup, tu vois, qui n'est pas forme froid, hein, comme il aime bien faire, le frigo et tout. Ouais, c'est un joli Pokémon. Ouais, avec sa traînée là. J'aime bien. Hein. Potter Mac en reverse. Oui, bah on s'en fout. Du foot. Bon, elle a senti, alors qu'est-ce qu'elle a senti? J'ai senti. Oh, une GG, une GX. 147. C'est pas le même numéro que toi, hein, rassure-moi. Je suis en train de me demander. Non. Mais si, c'est la full art. Oui, c'est la full art. Mais de non. De Palkia qu'on a eu deux fois. Je savais que c'était une full art, c'est ça que j'ai senti. Mais pourquoi pas... Pourquoi? Non, je suis content, c'est une full art, putain, mais pourquoi? Pourquoi on a que Palkia GX? C'est quoi le délire? Je sais pas si Jiffy, ils ont fait une razzia sur Palkia. Ils ont dit, on veut que des boosters. Mais ils peuvent pas choisir, là, Jiffy de mes couilles. Ah, attends, on est un peu dubitatif parce qu'on a que Palkia, mais on peut être content quand même. Parce que les boosters Jiffy, là, pour le coup, en 8 boosters, on s'est quand même tapé pas mal de cartes vachement cool. Ouais. On dira ce qu'on veut, c'est pas mal. Je pense qu'on est arrivé au bon moment. Je suis content, c'est vraiment cool, c'est très chanceux, là. Est-ce que cette extension est aussi chanceuse que ça? Je ne sais pas. Fais un petit récap de ce que j'ai eu, peut-être. Tu as gagné, du coup, clairement, parce que tu as deux full art, c'est vraiment cool. Tu as eu un petit Motisma froid, du coup, donc une holo reverse, on pense. Peut-être, on ne sait pas. Vous nous direz en commentaire ou on regardera sur la checklist. Ouais. Un Maganon en holo. Qui est joli, hein. Cool. Ouais. Qui est très sympa. Tu as eu ensuite deux Palkia GX. Ouais. Voilà. Qui est une très belle carte pour le coup, mais très sympa en full art. Ouais, la full art c'est pour le coup carrément plus belle. Ouais, après, c'est l'effet full art en fait, comme ils aiment bien faire maintenant les nouvelles, c'est avec un fond uni derrière et du coup. Exactement. Pokémon ressort très très bien. Et toi, du coup, tu as gagné. Avec une holo reverse, on pense encore une fois. Ah oui, c'est vrai. On lance des trucs, nous. On est en mode ouais, c'est une holo. Parce que c'est une rare. Ouais, il y a des chances. Quoi. C'est type 0, donc c'est cool. J'ai eu le Palkia GX en dernier, du coup, en full art. Voilà. Ouais, elle est classe. Plaisir. T'as eu deux full art comme t'es vraiment chanceuse. Ouais, ouais, grave. J'ai aussi la fan club Pokémon. Donc une on n'a pas été secrète. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu parce que là, vous avez découvert normalement des belles cartes. Un peu déçu de ne pas avoir eu le fameux prisme étoilé. Ouais, j'avoue que moi j'aurais bien aimé. Donc c'est potentiellement très rare du coup. Ce sont des rares, je pense. On a eu des belles cartes, on peut être content. C'était une très belle ouverture. Je suis content pour découvrir la série. En tout cas, c'est cool. C'est en beauté, ouais. C'est toujours toi qui gagne. Par contre, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Tu sais. J'ai le feeling avec les cartes. Ouais, parce que c'est toi qui as choisi en plus. Booster, ouais, celle que je choisis booster. Tu vois. Ok, ok. C'est pour ça que je lui dis de venir. Parce que... En tout cas, si la vidéo vous a plu, si l'ouverture vous a plu, vous oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et du coup, en commentaire, comme d'habitude, le truc tout con, mais votre carte préférée, ce que vous avez eu vous aussi, c'est intéressant. Voir pour vous aussi vos boosters les plus chanceux. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. On fait pas que du Pokémon. On fait plein d'autres choses. On vous fait plein de gros bisous. On vous dit à très bientôt. Ça me gratte le nez. Ciao. Ciao.